Lundi 21 avril 2014, lundi de Pâques, les fidèles chrétiens sont encore en fête. Ils célèbrent, vous le savez, depuis hier, la résurrection de Jésus-Christ. Plus de 5000 cas de grossesse précoce en milieu scolaire de 2012 à 2013. Le phénomène prend de l'ampleur. Nous en parlerons donc largement dans ce journal. Et puis, hors de chez nous, la présidentielle en Égypte se prépare. Deux candidats en lice. Pour ce scrutin prévu les 26 et 27 mai prochains, l'ancien chef de l'armée, le maréchal Al-Sissi et Abden Sabahi, candidat de gauche. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Louange et adoration ce matin encore dans les paroisses et autres lieux de culte du district d'Abidjan et partout ailleurs. La communauté chrétienne est en fête. Elle célèbre, vous le savez, depuis hier, la résurrection de Jésus-Christ. Retour sur les temps forts du dimanche de Pâques avec Serge Gangomé et Serge Collier. À Yopougon, la Pâque, la résurrection de Christ, a été célébrée dans la réjouissance. Une résurrection interprétée à l'église des Assemblées de Dieu de Toit-Rouge, Temple Shalom, comme un moment de salut et de paix retrouvée. Que tout le peuple ivoirien puisse vraiment entrer dans cette vie de Christ pour avoir une vie de réconciliation avec soi-même et aussi avec Dieu. Même interprétation avec le pasteur Lasme Bonaventure de l'église Tabernacle de l'Évangile de la Cité Verte. Que la bénédiction de Dieu arrive, que Dieu nous libère de tous ces esprits de mésentente, parce que nous sommes une nation, nous sommes un peuple et nous aimons notre pays. À Trècheville, à l'église KFM, le révérend Gaka Timouté a exhorté les fidèles à espérer, car selon lui, le salut obtenu à travers la résurrection de Jésus-Christ peut assurer le succès aux croyants. À la cité du port, la paroisse Saint-Antoine a reçu la visite de Amitunkara, député de Trècheville. Elle était accompagnée de fidèles musulmans. C'est Dieu qui a créé toutes les religions. C'est normal que nous soyons là avec les catholiques. La plus grande fête qu'ils ont de l'année, c'est la résurrection du Christ, pour être avec eux, pour fêter cette grande joie. Ça n'a rien vraiment de politique. Ensemble, musulmans et chrétiens ont commémoré la Pâque. Ceci pour appeler les Ivoiriens à l'union et à la solidarité. Prière, mais également partage en cette journée pascale. Après la messe, donc, visite en famille. Le temps des retrouvailles pour beaucoup, en tout cas. C'est ce que nous disent Sephora Zegui et Franck Quadio. C'est aujourd'hui Pâques. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Occasion donc pour les populations d'Abobo Baoulé issues des différentes communautés religieuses de se retrouver en famille pour partager un repas. Que le Christ ressuscité apporte la paix dans chacune de nos familles, d'abord dans les cœurs des Ivoiriens, et que la résurrection apporte réellement la réconciliation. Quand il y a une fête chez nous, ils sont invités, ils viennent participer. Donc je suis venu honorer leur invitation. C'est aussi le moment où certaines familles dressent quelques perspectives. Le Christ qui a prôné la paix n'a pas été compris. Tous ceux qu'il a sauvés, tous ceux qu'il a soignés, tous ceux qu'il a ressuscités sont les mêmes qui aujourd'hui l'ont crucifié. Alors c'est un grand message que le Christ lance à tout le monde. Il faut que la Côte d'Ivoire s'unisse. Musulmans, chrétiens, nous sommes tous des frères, à tel point que nous voulons que la paix règne. La fête du Pâques, célébration chrétienne qui marque la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour tous un temps de pardon et de convivialité. À présent, le discours Urbi et Orbi du pape François à l'occasion donc de la fête de Pâques. Un seul message, la paix, et le souverain pontife a insisté sur la nécessité de mener des initiatives de pacification dans la crise en Ukraine. C'est devant plus de 150 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre que le pape François a délivré son message Urbi et Orbi. Comme le veut la tradition, le chef de l'Église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape a ainsi demandé que des initiatives de pacification soient entreprises dans la crise ukrainienne. Après les fêtes de Pâques, Rome continuera à accueillir des milliers de pèlerins pour la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II, prévue le 27 avril prochain.
Un sujet très peu reluisant à présent, celui des grossesses précoces. Plus de 5000 cas enregistrés selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour l'année scolaire 2012-2013. Quelles pourraient être les raisons de ces déviations? Quelles solutions pour atteindre l'objectif zéro cas de grossesse en milieu scolaire? Le dossier proposé par Franck Quadio. Visite médicale ordinaire à l'infirmerie. Nous sommes au lycée technique de Cocody. C'est au cours de séances de ce type que sont le plus souvent dépistés des cas de grossesse. À chaque fois qu'on fait la consultation, on leur pose la date de tes dernières règles. On leur donne quelques conseils sur la grossesse. Mais généralement, ils te disent toujours les dates, ça veut dire qu'elles ne sont pas enceintes. Mais souvent, on se rend compte que soit ces dates qu'elles donnent, souvent, ce n'est pas vrai. La grossesse à l'école, un problème national. 5076 cas selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique identifiés. Il n'est plus rare de voir dans les centres de santé urbains des filles mères venues pour des consultations ou pour d'autres préoccupations. 76 cas au niveau national, dont plus de 500 dans le... Je leur ouvre un dossier avec toutes les informations concernant la jeune fille et surtout la situation familiale, pour voir si la grossesse est acceptée. Et le pire, le secondaire et le primaire touchés en raison de 1832 et 1137 cas. Une situation alarmante qui a ses raisons. Comme les enfants sont loin de leur lieu d'habitation et qu'ils sont obligés de louer des maisons, alors ça crée ce problème de grossesse en milieu scolaire. D'abord, c'est le manque d'informations. Parce que quand vous prenez une jeune fille de terminale qui ne connaît pas son cycle menstruel, c'est inquiétant. C'est un sujet qui est souvent tabou. Dans les familles, on n'en parle pas. Donc les jeunes gens vont rechercher l'information entre amis, sur les réseaux sociaux, etc. Et la deuxième raison que je pourrais donner, c'est la situation de précarité. Aujourd'hui, aucun parent ne cause avec son enfant pour demander « Ah, ma fille, tu connais ça, tu connais ça ?» Ils ne posent pas de questions à leur enfant. Les filles sont livrées à elles-mêmes, donc elles font ce qu'elles veulent. Il y a d'autres, elles sont là, quand elles tombent enceintes, elles sont obligées d'aller voir leurs amis pour avorter. Mais depuis la fin de l'année scolaire 2012-2013 et le début de cette année, l'objectif est connu. 0% de grossesse d'ici à 2015, la grossesse chez la petite fille ou l'adolescente, une situation qui peut être combattue. Quelques solutions autour de cette question-là seraient les internats. Il faut qu'on instaure les cantines scolaires. Il faut amener les jeunes filles à se prendre en charge elles-mêmes. Il faut que la jeune fille puisse dire non lorsqu'il faut dire non. Mais avant, il faudrait sensibiliser et impliquer tous les acteurs du système éducatif. Nous avons mis en place des cellules dans les différents établissements. Et donc ces cellules-là deviennent des cellules d'écoute. Et pourquoi pas fonder les bases d'un dialogue entre élèves. Les jeunes, quand ils se retrouvent, ont un langage qui leur sied, qui leur permet d'aborder un peu plus sereinement toutes ces questions de santé sur les grossesses, sur le sida. Et donc c'est un cadre d'échange qui leur est donné. L'enjeu est simple, amener les élèves à se construire un état d'esprit et un mode de vie. Certaines disent avoir une idée claire de la conduite à tenir. De ne pas jouer avec des garçons dangereux, de ne pas sortir, de rester à la maison à partir de 19h ou 20h. Des résolutions pour de lendemain meilleur et faire de la projection 0% de grossesse en 2015 et même au-delà, une réalité en Côte d'Ivoire. Voilà, oui, vous le savez, la pauvreté est la mère de tous les vices, on l'a souvent entendu en tout cas, et pour permettre donc à certains jeunes d'échapper à cela, l'ONG Unité Corps du Christ offre des formations. Une formation donc au métier d'auxiliaire de pharmacie a été donnée à 150 jeunes. Ils sont au nombre de 150 étudiants à recevoir leur diplôme de fin de formation dans divers domaines d'activité grâce à l'organisation non gouvernementale UCC, Unité du Corps de Christ. Les récipiendaires sont des jeunes et femmes déscolarisés ou en quête d'emploi sans qualification. Désormais, ils vont affronter le marché de l'emploi parce que aptes à se mettre au service des entreprises. Selon le président de l'ONG Unité du Corps de Christ, seul le travail peut permettre à l'homme de s'épanouir dans la société. Les domaines d'activité qui sont les aides-soignantes, les auxiliaires en pharmacie, les secrétaires. Ce diplôme va vous permettre de passer
de la phase de formation à la phase d'emploi. Dans la vie, il n'y a que le travail qui paye. On peut réussir dans ce pays. Tout est une question d'objectif, tout est une question de vision. Pour les récipiendaires, le diplôme obtenu est la clé de leur succès. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire partie des récipiendaires parce que à partir de cet instant, je pourrai m'insérer dans le tissu social à toute personne, aux jeunes filles, même aux jeunes hommes qui, bien qu'étant étudiant, mais n'ayant pas encore eu quelque chose à faire, vraiment de pouvoir venir faire une formation qui leur permettra vraiment de pouvoir s'insérer dans le tissu social et de pouvoir se prendre en charge. La formation a duré 6 mois, à l'issue de laquelle un stage pratique est offert en vue du perfectionnement. L'ONG Unité du Corps de Christ entend contribuer efficacement à la formation des jeunes Ivoiriens, une façon pour elle de lutter contre... À toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Hors de chez nous, en Égypte, les candidats à la présidentielle sont connus. Ils ne sont que deux à avoir donc déposé leur candidature. Le très populaire Marshal Al-Sisi sera donc face à Hamdan Sabahi, candidat de gauche. Un seul tour est prévu pour ce scrutin, prévu donc les 26 et 27 mai prochains. En Ukraine, toujours... Le terrain dominé par des violences, malgré les négociations, des négociations en tout cas qui piétinent. Au moins 4 personnes, dont 3 militants pro-russes, ont été tuées dans une fusillade près de la ville de Slavyansk, dans l'est de l'Ukraine. L'attaque s'est produite près d'un barrage érigé par des militants pro-russes. Cet accrochage intervient en dépit de la trêve proclamée pour Pâques par les autorités de Kiev, mais aussi 3 jours après la conclusion d'un accord à Genève appelant à calmer les tensions. Insurgés par cette provocation, les pro-russes viennent de décréter un couvre-feu. Et puis les recherches se poursuivent autour de l'épave du ferry qui a fait naufrage, vous le savez, il y a de cela une semaine en Corée du Sud. 4 nouveaux membres de l'équipage sont arrêtés depuis ce matin. La colère monte chez les familles, elles dénoncent un meurtre. Notez que 64 corps ont été repêchés à ce jour, 238 personnes sont encore sous les eaux. Voilà. Poursuivent après le naufrage du ferry au large de la Corée du Sud. Malgré de violents courants et une mer agitée, les plongeurs ont finalement réussi à pénétrer dans la partie passager entièrement immergée. Au total, 16 corps ont déjà pu être récupérés et près de 250 personnes sont toujours portées disparues. Face à la lenteur des opérations, près de 200 proches ont entrepris une marche de protestation de Jindo jusqu'à la présidence à Séoul. Et c'est sur ces images que nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Tu n'as pas gros cœur, tu as donné dingue. Je te jure, maman.